n'a pas réussi à sortir de la première spéciale. On s'est fait piéger dès les premiers kilomètres sur une portion un peu humide où en sortant large, on a tapé un rocher et cassé un demi-train. Et... Bon, avant tout, la voiture a très peu de bobos, donc elle sera vite réparée. Et puis on va essayer de rouler pour notre expérience, pour parcourir les spéciales, et ça nous servira peut-être à l'avenir. Pour l'instant, c'est très serré, hein. C'est moins qu'on puisse dire, mais bon, pour l'instant, ça se passe bien. Pas évident de prendre le rythme d'entrée, c'était avec quelques changements d'adhérence, deux, trois endroits un petit peu humides, donc ouais, j'ai fait un petit peu attention. De toute façon, il va falloir se battre jusqu'au bout, je pense. C'est clair que c'était chaud hein, ce matin. Irvo, il roulait super vite ici. On était vraiment au 10e à une spéciale de la mi-journée. Et puis bon, c'est vrai que dans la suivante, on est parti sur un gros rythme. Bah, je me suis dit qu'il faut vraiment réussir à inverser la tendance. Il y avait du brouillard, le grip me correspondait un petit peu mieux. Le grip dans les premières était très très faible. Et vraiment, quand la voiture s'embarquait, ça n'arrivait pas à la tenir. Donc là, ça allait un petit peu mieux dans la suivante, et puis ben, lui, il fait a priori une faute. Suite à ça, il a un problème moteur. Et voilà, donc la situation se décante plutôt dans le bon sens.